Good morning, allez, Idan, les sujets aujourd'hui, le Nishmat Richard Ron Ben Fortuné Mazal, Claudie Strack Ben Fortuné Mazal, Dani Myriam, Bat Élise Sayak et Sigmund Ben Moshe. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étions dans Sechet Yuma, Perek Gimel Mishnah Zain Bashachar, Ayolavesh Pilusin Shel Shnemasa Armane, Ben Arbaim Hinduin Ben Shel Shmone Meot Zuz, Divrei Rabbi Meir, Vachachamim Omrim, Bashachar Ayolavesh Shel Shmona Asa Armane. Ben Arbaim Shel Shnemasar Mané, Akol Shloshim Mané. Elou Michel Tibour, Veimratzal Osif, Mosif Michelo. Dans la mission précédente, on a commencé à découvrir que le Kohen Gadol allait porter concrètement, mettre ses habits de lin blanc. On avait expliqué que la Avoda de Yom Kippour, elle inclut 5 étapes, 5 tronçons. Big Day Zahav, Big Day Lavan, Big Day Zahav, Big Day Lavan, Big Day Zahav. Il commence avec les habits, les 8 habits du Kohen Gadol, parce qu'il fait un travail sur la Avodat Chutz à l'extérieur du Kodesh HaKodashim. Après, il va faire la Avodat spécifique comme Kippour, il doit remettre des habits blancs. Il va faire tout le rituel qu'on va bientôt découvrir, Bezrat Hashem, qu'on lit pendant tout le Moussaf de Yom Kippour. Après, il va retirer ses habits, il va mettre des Big Day Zahav pour faire quelques korbanot dans le Mizbeach HaKitzon, le Mizbeach qui était dans l'ensemble de la Hazara, cette fois-ci, plus dans le Kodesh HaKodashim. Et puis après, il va devoir reporter une deuxième fois des habits en lin pour rentrer à l'intérieur de la Zara, qu'on verra pour retirer les ustensiles qu'il avait laissés là-bas. Donc deux fois, il devra mettre des habits blancs. Eh bien, la Mishnah va d'abord me dire, tu sais, c'est pas les mêmes habits blancs. C'est pas qu'il retire son habit et qu'il remet ensuite le même habit, non. Il va mettre un premier habit, puis après il va mettre un deuxième habit blanc, avec une différence. Celui du matin, il est de plus haute qualité que le premier. Et la Mishnah va me préciser la haute qualité du vêtement. Bachachar, le matin, Ayalovesh Pilusin Shel Shnemasar Mané. Il devait porter des habits en lin, des Pilusin. Pilusin, c'est des habits en lin qui viennent d'Égypte. Ramsès, ça se traduit par Pilusai, dit le Barthanoura. Qui valait 12 manés. Pour vous donner une idée, la ktouva d'une femme, c'est 200 zouz. D'une almana, c'est 100 zouz. Lui, pour son vêtement, d'accord, ça correspond à l'équivalent de ce qu'il faut pour survivre pendant 6 mois ou 1 an. Lui, rien que le vêtement en lin du matin, ça devait être un lin d'une très haute qualité, qui coûtait Shnemasar Mané, 12 200 zouz en fait, si je convertis. 12 Mané, 1200 zouz. D'accord, l'équivalent, ça sera minimum, fois 6. Vous imaginez un petit peu la quantité, quoi. C'était des habits en lin, je sais pas où. Il y avait chaque fil, il devait coûter combien, quoi, c'était quelque chose, d'accord. Et il devait donc venir d'Égypte, parce qu'apparemment c'était des bons fabricants de lin, j'imagine, ou Ben Arbaim, et les vêtements en Inde l'après-midi qu'il devait porter, c'était des Hindouin. Ils venaient des Indes, il dit le Barthénois, Meretz Hodou, le Tifa d'Israël, il saute l'occasion, il dit à Indian. Ils venaient des Indes, et cela, il valait, chez Shmoné Meodzouz, juste 800 zouz, jusqu'à 4 fois le Srar minimum. C'est-à-dire 2 fois le sera minimum, pas 6. Telle est la vie de Rabbi Meir. Donc 12 et 8. Ou 1200 et 800. Ça, c'est la vie de Rabbi Meir. Chachamim nous disent non, pas assez. Pas assez cher, mon fils. Alors quoi? Bachachar, le matin, ayalovesh el shmoné asar mané. Il devait mettre des habits de 18 mané. Pour comparer, donc, ça fait l'équivalent de 9 fois plus que le sera minimal d'une femme pour qu'elle survive pendant un an. D'accord, la Ktouba. Ou Ben Arbaim, Shel Shnemasar Mané. Et l'après-midi, alors il devait y avoir cette fois-ci 12 manés. Donc en fait, on a, tout le monde est d'accord en fait, sur les coefficients. Tanakama, il nous dit, Rabbi Meir, il nous dit, tu prends 12, 8, donc tu retires un tiers. 12 pour le matin et 8 pour l'après-midi. Et Rabbi, et Tanaka, et Chachamim, ils nous disent, non. Le matin, 18, et après tu supprimes encore une fois un tiers et tu te retrouves à l'après-midi avec 12. Ah ben attention, précision, Hakol Shloshim Mané. Au total, 30 zouz. Précision qui vient me dire, 30 mané. 30 mané, pour traduire en zouz, ça fait l'équivalent de 3000 zouz. D'accord, 15 fois de quoi vivre pendant un an. Si je prends ça comme repère, les 200 zouz. Donc en fait, quel est l'intérêt de me dire qu'au total, ça fait 30? Je savais très bien compter que 18 et 12, ça fait au total 30. Comme ça, la Gemara nous explique. C'est pour venir te dire, tu sais, t'es pas obligé de mettre tout le paquet, de partager. A priori, partage ça comme ça. Tu mets
18 pour le matin et 12 pour l'après-midi. Mais si tu as voulu mettre 20 pour le matin et 10 pour l'après-midi, ça marche aussi. À écart, que l'essentiel, que le matin, qu'au total, ça reste 30, et que le matin, ça, ce soit l'essentiel. D'accord? Et la Mishnah continue en disant, Hello, Michel Tzibourg, tel est l'argent, le budget qu'on va délivrer depuis de la caisse publique. Mais Imrat Salé aussi, mais si toutefois il voulait rajouter sur ça, de sa propre poche, et payer encore plus, Mossif Michelo, il pourra rajouter, il n'a pas de problème. Il n'est pas limité à mettre ses petits habits de pauvre de 3000 zouz. Il pourra, même s'il veut, essayer d'être riche. À la Gemal nous raconte qu'il y avait des Kohanim qui étaient excessivement riches, et qui rajoutaient énormément aussi pour porter des habits de très haute qualité. J'ai du mal à comprendre combien on peut faire un bel habit en lin. Ouais. C'est du lin et bon, il était spécialement travaillé, spécialement brillant, blanc, je sais pas où on fait la différence. En tout cas, s'il veut rajouter, il pourra rajouter le bâton d'ambroisie, attention. Lorsqu'il rajoute, mais il ne pourra pas garder que ça, parce que ça sera plus sa propriété. Il devra sanctifier ce qu'il donne, il le donne à la caisse publique. Mais là, dans ce cas-là, il pourra rajouter, s'il veut, sur la valeur de chaque document. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.